C'est un 9e symposium international de la sculpture qui se termine pour Beaux-Arts. C'était le dévoilement, en fait, des sculptures qui sont implantées dans le parcours le long de la promenade Redmond. Donc, on a 10 sculptures qui ont été dévoilées aujourd'hui. C'était l'occasion pour les visiteurs, en fait, d'échanger avec les artistes. Le titre, c'est « Danse dans le vent ». Elle représente un grand danseur et c'est une sculpture qui s'animera. Dès qu'il y aura du vent, elle bougera. Après 19 jours de travail, les artistes peuvent enfin présenter leurs œuvres à la population. Pourquoi c'est important la culture et les arts dans une ville? La culture, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre en dernier. Et pourtant, c'est ce qui nous anime dans nos vies quotidiennes, tous. Hein. On consomme de la culture sans même s'en rendre compte. On regarde des films, on lit des livres, on voit des œuvres d'art. Tout ça, c'est finalement un de nos besoins primaires, je pense. Moi, je me rappelle de notre centre-ville. Quand j'étais ado, avec le Képinon en décrépitude, aucun espace public, en fait, au pouvoir évoluer. Je pense que ça manquait cruellement. J'ai l'impression que tout ce qu'on a fait ici à Saint-Georges en matière d'aménagement public, de revitalisation de centre-ville, l'ajout du parcours muséal, ça contribue à améliorer notre qualité de vie. Un attrait qui attire de plus en plus de visiteurs d'un peu partout dans le monde et qui contribue au rayonnement de la région d'un point de vue touristique. C'est un plus pour nous autres. C'est une belle carte de crédit qu'on peut vendre, qu'on peut donner pour amener des gens à vivre ici à Saint-Georges. On fait connaître de plus en plus le parcours muséal au niveau touristique, donc c'est un produit d'appel très intéressant. D'ailleurs, on a du soutien au niveau du ministère de la Culture à cet égard-là. Puis au niveau de la population, bien, il y a quand même un bel engouement pour le projet. Je suis vraiment ravi de découvrir votre pays. Les gens qui y vivent et l'accueil que j'y reçois est formidable. C'est important pour moi et c'est un grand plaisir parce que j'adore la philosophie des Québécois. Je trouve que vous avez la chance de savoir ce que vous avez et de profiter de chaque instant. Je trouve que vous êtes, dès qu'il fait beau, vous dites on est chanceux, il fait beau et je trouve j'adore ça, ça met de bonne humeur.